Yahoo Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de colis des éditions Meian. Donc je te le re-explique, ceci est une vidéo ouverture de colis collab avec les maisons d'édition Meian. Je suis en collab avec eux, il suffit que je demande des titres, voir s'ils sont ok ou pas pour me les envoyer. Là j'ai demandé deux titres en particulier, où on a les deux premiers tomes qui sont sortis en simultané. La personne qui gère la collab donc a accepté de me les envoyer. Je te fais juste une vidéo ouverture de colis pour te montrer les titres, t'en parler vite fait, te montrer la qualité de dessin, etc. Et la semaine prochaine, tu auras une vidéo crash test où je te donnerai mon avis sur les deux premiers tomes des deux séries. Tu auras une vidéo pour les deux titres. Voilà. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc j'ai juste coupé pour ouvrir pour que ce soit plus rapide. Et on va découvrir ça ensemble. Donc je vois qu'on a des... Ah, j'ai des goodies avec. Trop bien. Ah ça j'adore. Alors on a... Ouais, j'ai les doigts propres, c'est bon. Donc on va avoir un petit, je sais plus comment on appelle ça, shikishi je pense, je crois. Voilà. Donc les mangas en question que je te présente, je les ai testés déjà en vidéo extrême manga j'achète ou pas, donc je te mettrai le lien en i et en barre d'infos. Donc là c'est My Elder Sister, voilà, que j'ai présenté du coup dans la dernière vidéo. Et je pense que c'est un poster de la même série, c'est ça. Oh, il a l'air beau. Ouh, ouh, oh, il est trop beau. Je sais pas si c'est pas la page couleur qu'il y avait dans le manga, un truc comme ça, mais il est juste magnifique. Oh my god, elle est trop belle. Bon, une fois de plus, je le redis, moi j'ai du mal avec sa tenue par rapport à ces espèces de griffes qu'il y a ici. Tu vois, sinon j'adore la tenue, mais il y a juste ça, tu vois, que moi j'aime pas trop. Mais sinon, elle est trop belle. Et le poster est trop beau. Ah, ça me donne envie de déménager, de pouvoir remettre des posters un peu partout. Voici les mangas. Donc, bien entendu, tu t'en doutes, il y a donc My Elder Sister. Voilà. Et je me rappelle même plus du nom et Z de l'autre. Ah oui, voilà. Arrête. Oh, il y a encore des goodies. Trop bien. Il y en a d'autres ou quoi? Non, c'est bon. On a un marque-page, deux marque-pages. Oh! Donc, on a ce marque-page un petit peu osé, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais si bien, c'est que ça reste soft. Avec, de l'autre côté, ça. Donc, pour le manga Rem. Et donc, du coup, bah, ça vient de te spoiler le deuxième titre que j'ai demandé. Et on a donc le marque-page comme ça, My Elder Sister. Et à l'arrière, on a du coup le petit frère. Donc la petite phrase d'accroche et tout. J'aime bien, à l'avant du coup il y a marqué « J'exaucerai l'un de tes voeux en échange de ce que tu as de plus précieux. » Et à l'arrière il y a marqué « Une relation douce, amère qui unit un frère et sa sœur fantasmagorite. » Donc j'adore. Donc l'autre c'était « Michio a un objectif, avoir un harem de rêve. » Et donc « Harem in the fantasy world d'Ungeon. » Voilà. Donc, comme je viens de te le dire, on a donc My Elder Sister. Voilà les deux premiers tomes et je les trouve magnifiques. Voilà, voilà. Pour l'arrière, c'est comme ça. On a un petit bandeau avec l'image des prochains volumes. Donc le tome 2, mais il y a le tome 3 et 4 en illustration en bas. Regarde. Hop. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'arrière du tome 1 et l'arrière du tome 2. Pour ce qui est de la qualité de dessin, je vais te montrer. Oh, elle est belle la page en couleur. Voilà. Bon, ça, je te le présente la semaine prochaine. Moi, j'ai de la chance parce que toi, au moment où tu vois la vidéo, c'est en fin de semaine. Moi, je reçois ça, on est lundi. Ah, t'es, j'avais raison. Donc, voilà. Double page, mais pas en couleur. Mais donc, du coup, ça permet d'avoir vu la version couleur. Et donc, oui, le jour où je filme ça, on est lundi. Toi, tu vois en fin de semaine. Je pense que tu vois ça samedi, techniquement. Et je te présente mon avis sur ces deux titres la semaine prochaine. Voilà. Je vais te montrer un petit peu les dessins. J'ai trop, trop hâte de lire la suite. Voilà. Et on va juste s'arrêter ici. Tu es un petit peu. Ensuite, donc,
j'ai pris les tomes 1 et 2 du Isekai sexy, une fille, cette fille sera à moi, un monde où tout est possible. Voilà ce qui est écrit sur le bandeau, le petit bandeau. Voilà le tome 1, je trouve l'illustration juste divine. Et regarde, je craque sur cette fille. Honnêtement, j'ai craqué sur cette fille, très clairement. C'est dommage parce que en fait, c'est ses cheveux qui, je pense, qui servent d'oreilles. Tu vois là, elle a un petit dégradé. J'aurais bien aimé qu'il y ait des oreilles d'elfe. Alors là, j'étais prêt pour l'épouser. Très clairement, j'étais prêt pour l'épouser. On l'a rien, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est juste une petite image de sûrement du qui vient du manga ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pas le truc transcendant. Juste à l'arrière, mon petit bandeau, c'est marqué barrer son objectif et d'avoir un harem de rêve. Ah, c'est celui-là que j'avais vraiment surkiffé au niveau des derniers titres de Meiyan que j'avais pu lire. Parce que je trouvais ça trop cool. En fait, le gars, il arrive sur un... Donc dans un jeu vidéo et il a toutes les informations genre on va lui dire sa sandale elle est niveau 1 et tout ça. J'avais jamais vraiment vu parce que là regarde il cherche et on lui dit tous les détails, tous les machins, tout, je trouvais ça trop marrant. Donc il trouve une épée et tout et après il se retrouve sans vouloir en fait au milieu d'un combat et donc là il y a plein de voleurs qui sont sur le point d'arriver. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est donc qu'il va aider et il va tuer les voleurs. Sauf que dans les jeux vidéo, les cadavres, ils disparaissent. Mais là, ils disparaissent pas. Donc ça, j'avais trouvé ça trop fun. Je dis ça, c'est dans les 30 premières pages. Hein, donc c'est pas dispo, c'est même disponible dans l'extrait. Mais voilà, c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce titre. Donc c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo ouverture de colis des éditions Meiyan, à savoir donc que j'ai déjà demandé pour avoir le manga 5 secondes before, et je ne sais plus le nom du titre parce qu'il est trop à rallonge, mais ce titre-là, donc je te le présenterai aussi, mais je pense que ça sera plus pour début novembre parce qu'au niveau de la date de sortie et le temps pour filmer la vidéo, je pense que je n'aurai pas forcément le temps du coup de le lire pour le mois d'octobre. Bref, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. N'hésite pas à me dire lequel manga t'intéresse le plus entre My Elder Sister et Harem in the Fantasy World. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets mes deux précédentes vidéos des éditions Meiyan ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu auras donc ma vidéo Extreme Manga, j'achète ou pas, où je t'ai présenté ces deux titres en attendant du coup que la vidéo sorte. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye!